Let's go. Bon, faut qu'on retourne au point de départ. Je vais essayer de lancer une bête ici, je sais pas si ça marche. Je sais pas si elle trouvera grand chose dans ce froid. Ouais. Je sais pas si je vais laisser la lettre finalement sur le fusil parce que certes ça augmente la précision de loin, par contre de près c'est assez horrible. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure arme pour avoir le, la lunette. Let's go. Ouais, je pense que je vais sûrement le modifier. Black Motor Tesla. Et qu'on retombe sur un atelier. Des saletés? Non, je teste mon tir alternatif. Ok. Oh, ça sent le boss. Ouais. Oula. On y voit pas à deux, mais là-dedans. Par où on doit aller? On n'est pas censé aller par là en fait. Ah, deux secondes, je vais essayer de lâcher mon petit machin ici pour voir. Vu qu'il y a du minerai apparemment. Faut monter? Ouais. J'arrive. Oh oh. Ça a pas l'air solide ça. Je sais pas pour toi, mais moi je ça pue le boss. Y a rien ici. On peut passer par là. Moi je vais voir ce qu'il y a par là-bas avant. J'arrive. À une échelle. Ok, go, on avance. On peut même pas courir. Oh oh, 22. Bon, sympa. Ok. Wow. Ça déjà c'est plus gros. Mais il fait vraiment une fixation, Isaac. Mais c'est, ça a rien à voir avec la station qu'on avait vue avec Tim dans le prologue. C'est peut-être la même. Je sais pas, elle ressemble pas trop, mais comme on avait un point de vue de très très haut, je peux ouais, pas trop et dire. Y a une, et regarde, il y a une très haute falaise juste au-dessus. Ouais, j'ai vu qu'il y a une très haute falaise. Ça pourrait mais... être ça. T'as vu la falaise pour la montée, je veux pas dire, mais... Ouais. Bon bah on a... Allons-y, risquons-nous dans ces sombres cavernes.
plutôt que de descendre un peu en rappel comme on va le faire dans, sûrement dans la suite du jeu, allons nous perdre là-dedans comme des anges. Merde. Hop, pratique cette lunette. Apparemment, ça fait sorte un peu de nulle part. Je crois qu'il a son compte. Vas-y, passe devant. Ok, bah j'y vais avec mon bazooka lance-flamme. Attention, il y a un truc là. C'est bon, c'est mort. Je suis plutôt passé avec cette arme. Fais gaffe à ta vie. Ça va, j'ai assez de vie. Faut monter. Ok, c'est coincé apparemment. Ouais, sûrement une source d'énergie qu'il faut mettre. Ici, je suppose. Ah ouais. Ah là voilà. Écoutez-moi bien, Clark. Nous sommes sur ce caillou pour détruire les monolithes et rien. Ni vous, ni votre obsession pour Ellie ne pourra. C'est compris? Je sais ce que j'ai à faire. Remettons l'ascenseur en marche. Tout le monde nous attend derrière les portes. Pourquoi tu vois que tu boules le cul? Ah, il y a un atelier. Oh oh. Ok, il y a aussi une cabine d'essayage. Okay, je vais enlever la lunette. Je me demande si je peux repasser avec ma tenue de... ma tenue normale. Maintenant qu'on va rentrer dans un bâtiment. Ouais, j'ai changé de tenue. On va voir ce que ça donne. Ouais, je vais juste me contenter de retirer la lunette. Et ça fera l'affaire. T'as enlevé ta tenue d'hiver? Ouais. Ouais, tu sais qu'on risque d'être obligé de... Tu sais qu'on risque d'être obligé de rentrer aussi sec du coup. T'inquiète, je gère. Ouais, espérons. Alors, bon, moi je garde la mienne. Hop, non. Hop. Bon, je vais essayer de dormir comme ça. Bon, t'as rien marché pas, le bazar. Ok. Moi j'ai pas de problème de température. Ok, bon moi je vais garder ma tenue polaire quand même pour le moment. Je pense qu'on va devoir affronter le machin maintenant. Oh merde! Voilà pour le premier boss. Merde! Je me demande ce que c'est, ses points faibles, ouais, sûrement ses tentacules.
tentacules. Ok, tirer sur ce petit truc. Même pas décidément. Oh, je me taille. Passe derrière. Oh merde, il m'a touché. Oh merci, nous a débloqué une façon de monter. Ok, je vois un passage vers le portail. Deux secondes, je check mon stock de soins. C'est bon. Je reprends un peu de vie, moi. Vas-y, avance, tu me gênes. Ok. Ok. Tiens, demandé, mon chargeur a pas toujours la même contenance. À ton avis, c'est quand tu équipes l'arme sur laquelle tu as mis une amélioration de chargeur, ça améliore aussi le mien du coup, mais quand tu la déséquipes. Alors là, je l'équipe, il se passe quoi? Ouais, j'ai un chargeur plus large du coup, déséquipe là maintenant. Je viens de la déséquiper. C'est ça. Ah, attends, on a une échelle là. Je monte voir ce qu'il y a. Et on a un message. Bon, arme de d'assaut. Ah ouais. C'est tout. On a prendre en haut. Un autre. On a un autre message. Un artefact. Ok, ça c'est le message. Je vous laisse mettre pause pour le regarder. Et l'artefact. Extrait du manuel de formation. Ok. Là. Deux secondes. Oups, merde, je me suis gouré. Deux secondes, je regarde juste un truc. Ok. J'arrive. Vérifie juste une dernière, j'oublie rien en haut. Ah, il y a une caisse. Ah, descends là, t'abuses. Merde, trop tard. Ok. Ok, un méga charbonnier est revenu. On verra s'il a rapté des choses. Let's go. En tout cas, on a eu un aperçu du premier boss du jeu. Il est lâchement parti. Ouais, en tout cas ils sont pas comme les boss du 1. Bah ils vont pas faire les mêmes boss, c'est sûr. Ouais, bah en tout cas ça change, dans le 2 on avait pas eu de boss. À part le boss de fin, mais que personnellement, d'après moi, ne mérite pas le qualificatif de boss. Là on descend. Mais on est dans le complexe sûrement. Et je te parie qu'on va le recroiser un petit peu. Petit piratage rapide. Il y a une caisse. Ramène-les vers moi que ce soit plus simple. Voilà. Ok, le dernier il est là. T'as amené la caisse, ouais, ok merci. C'est tout, on y va? C'est tout, ouais.
pour l'instant pas d'ennemis. Un message. Chimpanzé de l'espace. Il dépasse largement les limites, j'en ai ma claque de réparer des suspensions et des moteurs. Dites à vos gars de se calmer un peu, ok? Et au fait, la nourriture, on crève la dalle ici. Ok, un petit court message. Pour nous mettre dans l'ambiance. Bon ouais, je dirais pour résumer encore une fois à quel point... Merci dans le... Il y a du monde, il y a du monde. Mais bien ouais. Vas-y, recule un peu. On n'a pas un très bon angle de vue. Merde, je recharge. C'est bon, ménage fini. Des casiers. Des soins. Je préférerais des munes. Ah, une caisse. Il y a deux caisses ici là. L'autre est juste là, on regarde. J'arrivais pas à la sortir. Ok, c'est par là. Là, il y a une petite caisse, un circuit d'amélioration. Plus d'un chargeur et moins un dégât. Deux secondes, j'ai plus de place. Je vais lire un truc. Il va se passer un truc là, c'est en attente. T'es où? Bah, là où on doit aller. Ah, faut revenir sur nos pas? Non, on est pas arrivé. On est arrivé par là? Oui. Ou si je ne m'abuse, ou. Ouais, regarde. Ouais, mais qu'est-ce qu'on est allé faire en fait? J'ai pas compris. Je sais pas, je pense qu'en fait on avait une porte à pirater, on est rentré dedans sans chercher à comprendre, à aller voir plus loin. Tente. Le but c'est trouver Ellie et son équipage, ok. Difficile de croire qu'Ellie et son équipage aient survécu à cet incident, mais c'est le cas. D'après Buckel, ils ont trouvé des tenues résistantes aux températures extrêmes et sont partis vers une installation des colonies souveraines en haut de la crête. Quel est le but d'Ellie? Pourquoi prend-elle le risque de mourir dans des conditions aussi hostiles? Elle a sûrement trouvé quelque chose d'important, je dois la trouver. Ça c'est pour l'objectif. Et c'est par là. Let's go. Là. Voilà, c'est ici. Oula. Une sorte d'ascenseur. Non, c'est une porte qu'on a déjà vue. C'est la deuxième fois qu'on voit une porte comme ça. Effectivement. Donc ça c'est fermé. Là on est en attente. Ils sont sûrement pas loin. Ouais. Allez, voilà.